C'est un réveillon de Noël pour le moins inhabituel que s'apprêtent à passer les citoyens des États-Unis au lendemain d'une tempête hivernale qualifiée d'historique qui a privé des millions de foyers d'électricité. Les chutes de neige, les rafales glacées et les températures extrêmes atteignant par endroits moins 55 degrés ont provoqué un véritable chaos dans les transports. Selon un décompte, 5500 vols ont ainsi été annulés vendredi, notamment depuis les aéroports de Seattle, New York ou Chicago. Pour les trajets maintenus, les conditions météorologiques ont rendu les vols particulièrement difficiles, comme le montrent ces images. Dans les régions côtières, la tempête a entraîné par endroits des débordements et des inondations. Ce type d'événement n'intervient qu'une fois par génération, selon les services météorologiques nationaux. Il a été provoqué par une bombe dépressionnaire, un puissant conflit entre deux masses d'air, une très froide en provenance de l'Arctique et l'autre tropicale venue du golfe du Mexique.